Karim, d'abord, félicitations pour ce trophée avec l'équipe de France. Vous êtes devenu le joueur français le plus titré. Que cela représente-t-il pour vous, ce moment? Déjà, merci beaucoup. Non, ça représente beaucoup de choses parce que déjà c'est mon premier trophée avec l'équipe nationale. Donc beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup de sacrifices pour arriver aujourd'hui là où je suis. Donc voilà, ça fait un trophée de plus. Donc comme je l'ai dit, c'est beaucoup de fierté. Et voilà, quand je repense au début et à maintenant, ça me rend fier. Vous avez déclaré que si vous reveniez avec les Bleus, c'est pour gagner les titres. Et c'est déjà fait. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça parce que j'aime gagner des titres. Je suis un compétiteur. Voilà, j'aime aller tout donner sur le terrain pour pouvoir gagner des trophées. Et bah, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'en gagner avec l'équipe de France. Donc il faut continuer maintenant à en gagner d'autres. Karim, vous avez marqué 6 buts en 7 matchs avec les Bleus. Votre tour est donc concluant. C'est un bon retour si on parle des statistiques, parce que c'est des bonnes, très très bonnes statistiques, mais le plus important pour moi, c'est de faire des bons matchs, de prendre beaucoup de plaisir, surtout de gagner les matchs et de gagner des trophées. On sent que votre entente avec Mbappé est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Non, mais comme on n'avait pas beaucoup l'habitude de jouer ensemble, mais de toute façon, j'avais aucun doute de notre entente sur le terrain. Parce que déjà, pour son jeune âge, il fait partie des très grands joueurs. Et c'est toujours facile de jouer au foot avec des joueurs comme ça qui comprennent vite le foot, les mouvements qu'il faut faire, le jeu en une touche. Voilà, donc on s'entend super bien sur le terrain. Karim, quel est votre rôle exact dans cette équipe de France, du point de vue de votre âge, de vos palmarès aussi? Êtes-vous une sorte de grand frère dans l'équipe? Mon rôle en équipe de France, il est simple, hein. Déjà, on va commencer sur le terrain. C'est d'apporter quelque chose de plus, de marquer des buts, de faire des passes décisives, d'aider mes coéquipiers, de les rendre meilleurs. En tout cas, moi, quand je suis sur un terrain de foot, c'est ce que je recherche, de donner le maximum comme je le fais à chaque fois. Après, grand frère, oui et non, mais en tout cas, à l'écoute des joueurs, si quelqu'un a besoin d'un conseil, je suis là. Et voilà, après, dans le vestiaire, c'est pareil. Mais comme je l'ai dit, c'est d'apporter quelque chose de nouveau dans cette équipe. Karim, on vous trouve de plus en plus affûte, année après année. C'est quoi ce secret de longévité? Le secret? Comme je l'ai dit, hein, c'est le travail, faire attention à tout ce qu'on mange, voilà, tout simplement. Et c'est pareil, c'est pour rester affûté, il faut avoir des objectifs pareils, pour avoir moins de blessures, pour pouvoir jouer tous les matchs 90 minutes. C'est tout ce qu'il y a en dehors du terrain de foot, c'est beaucoup de récupération et être professionnel. La qualification pour la Coupe du Monde est quasi acquise pour l'équipe de France. Comment appréhendez-vous cette prochaine Coupe du Monde et quelles sont les ambitions de Karim Benzema pour la Coupe du Monde? Quelles sont les ambitions? Quasi acquise, c'est pas encore fait. Oui. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on se qualifie déjà. Après, de toute façon, une Coupe du Monde, c'est à chaque fois pareil. C'est très très grande compétition. Football de très très haut niveau, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de gagner, tout le monde regarde cette compétition. On a une très très bonne équipe, et maintenant, voilà, on a le temps encore
d'y penser, mais en tout cas, ça serait un rêve pour moi de la jouer. Cette année, vous retrouvez Carlo Ancelotti. Quel a été son discours à votre rencontre de nouveau? Et qu'attend-il de vous cette année? Non, discours simple, hein. Jouer au foot, jouer comme je joue au foot, qu'il a confiance en moi et qu'il va me mettre dans les meilleures conditions, tout simplement. Mais oui. Comme j'ai eu la chance qu'il m'entraîne en 2014, donc on se connaissait déjà, donc le discours, il n'a pas changé, c'est jouer au foot, me faire plaisir sur le terrain. Vous êtes aujourd'hui le capitaine du Real. Quelle fierté cela vous procure-t-il, surtout après l'avoir été, après des joueurs comme Sergio Ramos, Casillas, Raúl? On va dire que je suis le deuxième, Marcelo au premier. Deuxième, mais c'est vrai que ces temps-ci, j'ai été beaucoup capitaine. Non, de toute façon, c'est... J'ai commencé ici à 21 ans. Jeune, donc j'aurais pas pu penser à 21 ans qu'un jour j'allais être capitaine ici au Real Madrid. Donc aujourd'hui, être capitaine, c'est montrer l'exemple, l'exigence du haut niveau, surtout un club comme ça. Donc c'est beaucoup de fierté, beaucoup de choses et ça me donne encore plus de force sur le terrain. C'est exceptionnel de pouvoir être capitaine au Real Madrid. Karim, quel a été le rôle de Zidane dans votre carrière au Real Madrid et surtout son rôle lors de votre absence en équipe de France? Non, Zidane, il a toujours été avec moi. Il a toujours su me motiver. Il m'a fait progresser, mais... beaucoup sur le mental aussi, parce que c'était des fois difficile. Il m'a donné beaucoup de confiance. Il m'a, comme je dis souvent, c'était comme c'est toujours de toute façon comme un grand frère, mais parce qu'on parlait beaucoup tous les jours et à la fin ça se voyait sur le terrain que je me sentais très bien. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas en parler 30 secondes parce que c'est. Mais j'ai tellement de choses à dire sur lui. Parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais comme j'ai dit, il m'a donné cette confiance-là qui m'a permis aujourd'hui aussi d'être à ce niveau-là. Parce qu'il était derrière moi, parce que. On me donnait des conseils, on parlait beaucoup de foot, aux entraînements, dans les matchs. Il m'a mis dans les meilleures conditions. Vous avez prolongé jusqu'au 2023 avec Madrid, mais on sait que vous êtes toujours lyonnais dans votre cœur. Envisagez-vous après Madrid un retour à Lyon avant... À Lyon ? Un retour à Lyon ? Oui. Pour l'instant, je suis à Madrid, je me sens bien. Je suis dans le meilleur club du monde. Je vois pas comment je vais faire pour changer de club. Mais non, Lyon, ça reste le club qui m'a permis surtout de signer au Real et de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc Lyon, ça restera toujours mon club parce que voilà, c'est là où il y a toute ma famille, là où il y a mes amis et je viens de Lyon aussi. Mais pour le moment, changer de club, pas pour le moment en tout cas. Parle un peu du Ballon d'Or pour cette année. On sait que la liste des 30 nominés au Ballon d'Or vient d'être annoncée. Comment vous sentez-vous cette année par rapport à cette distinction? Déjà, c'est bien d'être dans les 30. 30 joueurs du monde. Après, c'est... c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, c'est toujours un rêve depuis tout petit. Comme j'ai eu beaucoup de rêves, signer au Real Madrid, gagner la Ligue des Champions, gagner des titres. Après, c'est un trophée individuel, mais aussi collectif. Parce que si un jour tu arrives à gagner le Ballon d'Or, c'est que tes coéquipiers aussi te l'ont permis.
toute ton équipe, que ce soit en équipe de France ou au Real ou en club. Donc c'est une distinction individuelle, mais je le mets sur le collectif, pour moi, en tout cas. Mais bien sûr, c'est un, comme je l'ai dit, hein, c'est un rêve, c'est dans le coin de ma tête, comme je le dis souvent. Après, moi je suis sur le terrain. Ce qui m'importe le plus, c'est que chaque match, je procure du plaisir aux supporters, aux gens qui aiment le foot, qui m'aiment, ma famille. Donc c'est ce qui est le plus important. Mais voilà, c'est dans un coin de ma tête et on y pense, mais toujours avec l'aide de tous mes coéquipiers.